impossible, on peut pas le sortir. Allô ? Vous avez coupé vos portables ? Oui. Parce que lui, non ? Non. Oh, tu me déranges pas. Non, mais ça va pas, non, la tête ? Attends, quitte pas. Il y a un souci ? Mais non, mais écoute, on est en concert, Donatien. Ah ouais. Mais en fait, c'est ta mère. C'est ta mère. Je te la passe, c'est mieux. Allô, maman ? Bah, bien sûr que tu me déranges. Comment ça, à quelle heure ça va finir ? Mais j'en sais rien, moi, à quelle heure ça va finir ? Comment ça, c'est pas raisonnable ? Ah non, ça va pas recommencer ! Non, mais je t'ai déjà expliqué 20 fois, maman. Mon vrai métier, c'est celui que je fais ce soir. Non, secrétaire, le lundi, ça c'est alimentaire, tu comprends ? On va pas avoir encore ce genre de discussion. Bon, d'accord, on en reparlera, oui. Mais faut que je te laisse, là, je suis pas toute seule. Bah, le public... Ok. Allez, à tout à l'heure, maman. Oui, moi aussi, je t'aime. Excusez-moi. Non, je ne suis pas secrétaire, ça c'est en attendant que démarre ma carrière de chanteuse de talent. C'est vrai, j'étais aussi caissière, mais pendant peu de temps, j'assistais aux premières, placées au dernier rang, dans un grand cinéma, en plein cœur de Paris. J'attendais qu'on me voie, je rêvais qu'on m'épie. Oh oui, j'y crois toujours, je suis faite pour ça. Un producteur un jour me montrera du doigt et s'écrira bien haut, c'est elle, la voilà, la star au prochain show, celle qu'on applaudira. Puis bientôt 10 ans, je prends des cours de chant. J'ai fait le cours Florent, je joue d'un instrument. J'ai toutes les qualités qui font une grande artiste. Quand l'heure aura sonné, j'entrerai sur la piste. Je prends soin de mon allure, de mon look, de ma coiffure. Toujours bien habillée, j'attends d'être repérée. Oh oui, j'y crois toujours, je suis faite pour ça. Un producteur un jour me montrera du doigt et s'écriera bien haut, c'est elle, la voilà, la star, mon prochain show, celle qu'on applaudira. C'est avec mes amis, tous artistes au chômage, que tous les vendredis, on se retrouve et on jase. On compare les carrières de ceux qui ont réussi, qui ont quitté la galère et volent un peu nos vies. On rêve entre copains, on a de grands projets, mais faute de moyens, on n'a encore rien fait. J'aimerais bien savoir quand viendra le moment, quand viendra le grand soir, ça devient très urgent. J'habite avec maman. Je vais avoir 30 ans. Et oui, j'y crois toujours, je suis faite pour ça.